盘了吗？然后你妈妈穿几？等着。哎。我说怎么怎么多一个？我那个软件写了几个特别死了，他俩是网上的，连他三个都看了，你都记三个都不满意，记三个行吗？Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre ce qu'est la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Tout d'abord, ces deux chaînes permettent de décrire un système sous forme de fonctions. Ce système va être décomposé en deux parties, la chaîne d'information, la chaîne d'énergie. La chaîne d'information pour traiter l'information, la chaîne d'énergie pour réaliser l'action. On va s'intéresser en premier lieu à la chaîne d'information. Tout d'abord, nous avons une information extérieure qui peut être donnée par l'utilisateur de la machine ou un élément extérieur. On va acquérir cette information sous forme de capteurs, bouton poussoir, anémomètre, ultrasons, etc. On va traiter cette information. Pour traiter cette information, on a besoin d'un processeur, donc soit un ordinateur ou plus facilement une carte programmable. On va ensuite communiquer cette information sous forme de fil ou sans fil. Cette information, on va la destiner à plusieurs choses. À l'utilisateur en premier lieu, sous forme de voyant ou de son, et on va communiquer à la chaîne d'énergie pour faire l'action. Nous allons maintenant décrire la chaîne d'énergie. Lorsqu'on parle d'énergie, on parle d'alimentation. C'est donc la première fonction. Cette alimentation peut être à l'intérieur de l'objet, c'est-à-dire stocké dans une batterie, par exemple, ou une alimentation extérieure, comme le réseau d'électricité. Cette alimentation, il va falloir la distribuer. Alors, parfois, on la distribue petit à petit. Par exemple, si je veux faire varier une lumière, je vais utiliser un potentiomètre. Je vais convertir cette énergie en une autre énergie. Exemple, si je veux faire chauffer quelque chose, je vais utiliser une résistance chauffante et je vais convertir l'énergie électrique en énergie thermique. Ensuite, il va falloir transmettre cette énergie. Alors, pour une énergie mécanique, je vais transmettre, par exemple, un mouvement grâce à un système d'engrenage. À la fin, le but est de faire une action. Faisons à présent le bilan. Un système est décomposé en deux chaînes. La chaîne d'information, la chaîne d'énergie.
La chaîne d'information est divisée en trois fonctions. Acquérir, traiter, communiquer. Ces trois fonctions, c'est un peu la partie commande. La chaîne d'énergie maintenant. Tout d'abord, on va alimenter notre système. Ensuite, on va distribuer. Et c'est là que va agir la chaîne d'information pour commander la chaîne d'énergie. Une fois distribué, on va convertir et enfin transmettre. Le but est de faire une action.
Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et donc on se retrouve dans une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment faire un petit robot à l'aide de la carte programmable Arduino. Donc bon, comme vous l'avez vu tout à l'heure, hein, le robot marche bien, etc. Je vais vous montrer un peu comment vous pouvez le faire. Enfin voilà, bon, c'est vrai que si vous avez plutôt des bonnes connaissances en électronique, je pense que vous allez bien y arriver. Par contre, si vous y connaissez pas du tout, ça va être un peu plus compliqué, mais j'espère que vous allez y arriver. Voilà, donc on commence tout de suite avec les matériaux en électronique. Donc vous aurez besoin donc d'une carte Arduino Uno. Pourquoi Uno? Parce que bon, déjà c'est la plus facile à utiliser, mais sinon vous pouvez très bien utiliser une carte Arduino Mega. Il y avait quoi? Il y avait Micro, Nano. Voilà, après c'est à vous aussi de faire les branchements, etc. Ensuite, le capteur ultrason. Alors le capteur ultrason, bon, plus connu sous capteur à distance, il va nous permettre d'évaluer la distance entre le robot et un obstacle ou un objet, etc. Comme ça, le robot ne va pas se prendre les objets, obstacles, voilà. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne? Donc, tout simplement, le capteur ultrason, donc, il y a un capteur qui va envoyer des ultrasons, et le deuxième capteur va les recevoir. Alors, après, il y a un petit calcul qui se fait qu'on aura mis dans le programme sur l'Arduino pour savoir combien de temps met les ultrasons à revenir.